Merci Joël. Donc je répète en français, ne vous inquiétez pas, le reste de la conférence est en français. Donc Sweetbriar College, en partenariat avec Global Centers et avec le généreux soutien de la famille de David Bratt, qui a établi un fonds de dotation à Sweetbriar College JYF in Paris, est heureux d'accueillir trois invités prestigieux ce soir pour une discussion sur la libération de la parole des femmes. Donc je vais vous présenter nos invités, mais vous avez également leur biographie au dos de la petite invitation. Marcela Yacoub est historienne du droit, directrice de recherche au CNRS et auteure de nombreux ouvrages sur l'histoire de la sexualité. Azadeh Khan est professeure de sociologie à l'Université Paris Diderot, Paris 7, et directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes, le CEDREF. Elle s'intéresse particulièrement à la sociologie politique et aux études féminines. Vincent Toledano est anciennement journaliste à Télérama, dont il a été le correspondant aux États-Unis de 1987 à 1991, puis rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Film français en 1992. Il est aujourd'hui avocat au barreau de Paris depuis 1994. Donc je vais leur laisser la parole. Ils vont parler chacun leur tour pendant environ 15 minutes. Je pense qu'il est préférable de garder les questions pour la fin, mais si vous voulez intervenir, faites-nous signe, on a un petit micro. Donc Azadeh Khan va commencer, puisqu'elle va aborder la question et les différences entre la France et les États-Unis et la façon dont la question du harcèlement sexuel a été médiatisée en France sous l'influence des États-Unis. Ensuite, nous allons passer la parole à Vincent Toledano, qui, lui, va s'exprimer sur les implications juridiques de ces campagnes. Et Marcela Yacoub va ensuite tenter d'expliquer la singularité et l'originalité du mouvement Balance ton porc, en dépit des tentatives d'appropriation classique dont il a été l'objet dernièrement. Je vous laisse la parole. Merci. Si vous pouviez éteindre vos téléphones, ce serait bien. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, très brièvement, effectivement, pour comparer la France et les États-Unis, bien évidemment, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de savoir à quand datent les lois dans les deux pays, la législation contre le harcèlement sexuel. Il se trouve que, en fait, la première conférence portant sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, c'est nous, le CEDREF, qui l'avons organisé en France. Et voici donc la publication issue de cette conférence. La conférence elle-même date de 2013, pour vous dire à quel point on a pris du retard en France pour, en ce qui concerne ces questions-là. Donc, du coup, quand on regarde la législation, eh bien, c'est également la première législation en France contre le harcèlement, date de 1992. Je ne vais pas trop m'étaler sur la législation et la comparaison des deux, puisque à ma gauche se trouve un avocat qui va effectivement davantage discuter de ça, mais ça en dit long, bien évidemment. Bien sûr, la loi contre le harcèlement sexuel a été à maintes reprises en France amendée jusqu'en 2012. Et là, il s'agit d'une définition donnée enfin du harcèlement sexuel, parce qu'avant, la loi était vraiment très ambiguë sur ce que c'est que le harcèlement sexuel, finalement. Et là, selon la loi existante, et ce qui a provoqué encore beaucoup de mécontentement, c'est que le harcèlement est défini comme un acte répété. Donc, si vous faites une fois des propositions, etc., ça ne peut pas être qualifié de harcèlement, il faut que ce soit répété. Alors, en même temps, si on regarde aux États-Unis, c'est la loi date de 1964. Même si on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cas d'harcèlement aux États-Unis, bien évidemment. Et on sait que la loi aux États-Unis a été aussi amendée
à beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprises. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais finalement, je pense qu'en 2013 aussi, il y a eu énormément d'amendements, sachant que d'un État à l'autre, étant donné que les États-Unis, eh ben, c'est un pays fédéral, d'un État à l'autre, bien sûr, ça peut différer, y compris l'application de la loi. Mais justement, étant donné que j'ai fait mes études aux États-Unis, je ne vous dis pas quand, eh bien, à cette époque-là, il y a longtemps, déjà, les mesures contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, en tout cas dans ce qu'on appelle UC Systems, existaient, puisque j'étais à UCLA, et qu'on nous apprenait, quand j'enseignais par exemple, on nous apprenait à ne pas sortir avec nos étudiants, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. On nous formait pour ne pas harceler, et il y avait tout un tas de mécanismes à l'université afin que les étudiants et étudiantes puissent porter plainte au cas où ils étaient harcelés par leurs enseignants et enseignantes. Rien de tel en France, vous savez que ces mesures vraiment datent d'il y a très 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 peu d'années dans ce pays. Mais d'où l'initiative prise aux États-Unis, l'initiative MeToo, et d'où aussi le retard là-dessus encore, mais le mouvement de Balance ton port, alors je veux dire, je ne suis pas d'accord pour plusieurs raisons. Déjà, le titre de Balance ton port, esthétiquement, c'est vraiment pas joli du tout. Deuxièmement, je trouve qu'il y a une visée essentialisante dans ce titre, et pas seulement le titre, c'est-à-dire que comme si ça laissait entendre ou ça laisse entendre que tous les hommes sont des porcs entre guillemets potentiels ou que tous les hommes sont des harceleurs potentiels. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que pour moi, à la fois en France et aux États-Unis, si vous regardez les cas de harcèlement, c'est pas n'importe qui harcèle. C'est un rapport de pouvoir. C'est-à-dire que normalement, ce sont les professeurs qui harcèlent les étudiants. Ce sont des patrons qui harcèlent leurs employés et j'en passe et d'autres. Donc, il s'agit d'un rapport de pouvoir et il n'y a rien d'essentiel dans ces rapports-là. Ce sont des rapports que nous construisons nous-mêmes et sont basés sur les inégalités sociales ou ce que nous appelons dans les études de genre les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire les inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, le harcèlement, le viol, la violence et tout ce que vous voudrez, normalement fait aux femmes, parce que selon aussi les statistiques en France, les dernières qui viennent de paraître, 90% des cas de viol sont des cas de viol commis sur les femmes. Mais on sait que les cas de viol sur les hommes existent, mais à 10%, si vous voulez. Tout ça dénote en réalité pour moi donc l'existence de ces rapports-là. Il y a beaucoup de différences entre les deux pays, mais il y a des ressemblances. C'est-à-dire que si vous regardez le mouvement MeToo, ça commence bien évidemment à Hollywood. C'est pour ça que ça a été hyper médiatisé. Alors même que les cas de harcèlement existent déjà aux États-Unis, et le premier cas de harcèlement à ma connaissance en tout cas, qui a été médiatisé, daté déjà des années 1980. Mais cette fois-ci, c'est Hollywood. Et donc, en plus de ça, il s'agit aussi d'un certain nombre de journalistes très connus qui, elles aussi, à leur tour, effectivement, disent MeToo. Qu'est-ce que je veux dire ? Et le mouvement de, enfin le mouvement, voilà, le mouvement entre guillemets de Balance ton port, c'est visiblement aussi ça. C'est-à-dire, c'est surtout des femmes journalistes et c'est surtout aussi un certain nombre d'actrices, un certain nombre de femmes, si vous voulez, de médias et médiatisées. En revanche, le problème, à mon sens, c'est que il y a beaucoup de différences, mais il y a beaucoup de ressemblances aussi. C'est-à-dire que dans ces deux mouvements, on ne parle pas des rapports de pouvoir, on ne parle pas des inégalités sociales hommes-femmes. On se focalise sur la question de harcèlement comme si le harcèlement était distinct des autres inégalités existantes entre les hommes et les femmes, d'une part. D'autre part, et donc ça reste, si vous voulez, la voix effectivement des femmes qui ont déjà cette voie du fait de leur statut social, du fait de leur position sociale élevée.
Autre chose, c'est que si vous regardez, on sait pertinemment, toutes les enquêtes le montrent, ce sont surtout des jeunes femmes qui sont harcelées. Ce n'est pas des femmes de mon âge. Pourquoi ? Parce que des femmes de mon âge, déjà, bon, on va dire. Hein, et aussi parce que je peux dire que les femmes de mon âge, parfois, ont aussi un statut social et on n'ose pas, parce que je peux répondre. Voilà. Ces femmes qui ont dénoncé à la fois MeToo et Balance ton port ont attendu quand même d'avoir atteint un certain âge, d'avoir atteint un certain statut social, d'être à l'abri, si vous voulez, des ripostes des hommes qui les avaient harcelées pour pouvoir dénoncer ça. Donc, ça nous dit quoi ? Ça me dit quoi ? Que les questions de harcèlement, il y a cette intersectionnalité. Moi, je voudrais aussi mobiliser la théorie intersectionnelle. Il s'agit donc d'une question d'âge, une question de classe sociale aussi, une question de genre, bien évidemment, et une question des inégalités, une question des rapports de pouvoir homme-femme. On vit dans des sociétés, bien évidemment, hétérosexuelles, où le pouvoir est encore aujourd'hui, appartient encore largement aux hommes. Donc, il ne s'agit pas seulement de balancer, il ne s'agit pas seulement de dire moi aussi j'ai été harcelée, mais il s'agit aussi, en tout cas pour nous, de dire comment faire pour que les jeunes femmes, les jeunes filles ne soient plus harcelées. Aussi, que les jeunes hommes ne le soient plus. Parce que en France, la première enquête nationale contre la violence, c'est l'ANVEF, qui date de l'an 2000. Et là, ça concernait uniquement de la violence faite aux femmes. Et pour la première fois, là encore en France, vous savez, on fait des progrès, l'enquête Virage, qui a été lancée en 2015 auprès de 27 000, un échantillon de 27 000 personnes, et a inclus pour la première fois les hommes aussi. Parce que, effectivement, dans certains milieux, qu'il s'agisse de milieux de travail ou universitaires ou ailleurs, les hommes aussi sont harcelés et violentés et on ne les prenait pas en compte. Donc, je pense que les choses bougent bien évidemment et je sais effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est un pas en avant, mais on est encore très très loin du compte et ça a donné aussi, on le voit, des réactions parfois en France un peu même violentes par rapport ce processus enclenché. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, en tout cas moi je les vois au quotidien, beaucoup d'hommes se sentent cibles de ces campagnes, alors même qu'ils ne se pensent pas harceler, avoir harcelé qui que ce soit. Et encore ce que je disais, cette impression d'avoir été essentialisée en tant qu'homme. Autre chose par rapport à ce MeToo et Balance ton corps. Bon, je dis souvent que, vous savez, c'est comme des convertis. Hein. Des convertis sont toujours beaucoup plus, ils pratiquent la religion à laquelle ils sont convertis beaucoup plus ardemment que ceux et celles qui sont nés dans cette religion. Et j'ai l'impression qu'en France, ce Balance ton port est encore plus peut-être radical que MeToo aux États-Unis, mais ça c'est parce que voilà. Et puis autre problème, c'est que les États-Unis, tels que je le connais, je peux me tromper, mais chacun et chacune son expérience, est un pays puritain. Nous on ne l'est pas. En France, c'est une culture plutôt méditerranéenne. Merci. Je peux dire qu'en France, nous, il y a une culture, c'est ça que j'aime en France aussi d'ailleurs, on a une culture tactile. Ce que moi, je n'ai pas vu aux États-Unis, mais j'y ai vécu quand même 7-8 ans. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'on doit nécessairement importer des phénomènes d'ailleurs et pour les juxtaposer à des sociétés qui ont des traditions, des cultures différentes. Alors, pour terminer, très brièvement, je vous raconte ma première
surprise quand je suis arrivée aux États-Unis, parce que bon, je suis d'origine iranienne, j'arrive d'abord en France, j'ai fait 4 années d'études en France et après je vais aux États-Unis pour continuer mes études. Donc mon expérience, c'était essentiellement l'expérience française où à l'époque, les hommes pouvaient vous dire, moi je pouvais dire aux hommes, moi je suis hétérosexuelle, hein, donc il faut dire de quelle position je parle. Voilà. Et donc, par exemple, si quelqu'un dans la rue vous invitait à prendre un café, voire un verre, hein, c'était pour moi normal et pour eux normal. On pouvait dire non merci. Quand je suis allée aux... Et donc, les hommes regardaient les femmes regardaient les hommes dans le métro, dans le bus, dans la rue. Quand je suis allée aux États-Unis, je me suis rendue compte à Los Angeles que les hommes ne regardaient pas les femmes et de surcroît, personne ne me regardait. Et j'étais très mal à l'aise. Vous voyez, c'est vraiment paradoxal. C'est contraire à ce que... vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai été habituée. C'est une question culturelle. On est habitué à quelque chose et on ne voit pas de mal à ce que quelqu'un vous regarde ou que quelqu'un vous invite à prendre un café, par exemple. À condition que vous puissiez vous-même, à votre tour, en tant que femme, jeune femme, faire la même chose. Alors que... aux États-Unis, c'était pas, en tout cas à Los Angeles, on ne le faisait pas. Et donc, c'était une question que je me posais. Je ne comprenais pas pourquoi, quand j'étais dans le bureau de mon supervisor, il laissait la porte ouverte. Je ne comprenais pas pourquoi, quand j'allais consulter un médecin homme, s'il était homme, eh bien, l'infirmière n'était pas là, soit les portes étaient ouvertes, soit il ne m'examinait pas. Tout ça, je ne comprenais pas. Et là, honnêtement, j'ai pas envie, parce que je pense que pour moi, les raisons concrètes existent derrière le harcèlement et il faut s'occuper de ces raisons concrètes afin d'éradiquer le harcèlement, le viol, la violence faite aux femmes et aux hommes aussi d'ailleurs, au lieu de vouloir nous imposer les barrières, nous imposer la distance entre les hommes et les femmes, parce que je suis persuadée afin de changer, d'aller vers l'égalité dans nos sociétés hétérosexuelles, il faut que les hommes et les femmes ne soient pas séparés. C'est-à-dire, il ne faut pas séparer les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et donc, mon souci actuellement, c'est de ne pas aller vers cette séparation-là, parce que sinon, les femmes vont vivre d'un côté, les hommes de l'autre. Or, il faut que les hommes participent aussi à ce processus de lutte contre les inégalités. Et d'autre part, et je termine là, n'oublions pas que c'est un phénomène étendu, et si c'est étendu, c'est parce qu'encore une fois, les inégalités hommes-femmes sont très étendues. Pour le moment, ce sont des femmes essentiellement blanches, catégorie sociale aisée, statut élevé, qui ont osé dire « me too ». Mais qu'en est-il des femmes qui ne sont pas blanches, qui sont dans des situations précaires? Or, on sait que la majorité des précaires sont ces femmes-là, hein, et qui ont besoin de travailler et qui n'osent pas porter plainte pour ne pas, par exemple, perdre leur emploi. Donc, moi, je pense que pour se battre contre ces questions de harcèlement, il faut regarder, il faut voir les articulations existantes entre les rapports sociaux de sexe, de race, de classe, etc., etc., et pas seulement se focaliser sur l'un de ces rapports-là. Merci. Bonsoir, ça va être un peu moins enflammé et peut-être un peu plus... Je peux essayer de pousser des cris perçants, mais ça va être un peu plus terre à terre. Quelques observations. C'est une spécialité un peu française, c'est de commenter les commentaires. Donc, on ne parle pas de harcèlement, on parle de la façon dont certains se sont exprimés, MeToo, balance ton porc. Moi, je voudrais revenir à des notions un peu plus fondamentales pour distinguer, alors c'est du point de vue du droit, ce qu'on entend par harcèlement. Parce qu'il y a deux harcèlements, il y a le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, ce n'est pas la même chose, et l'origine dans le droit de l'apparition de la notion de harcèlement.
Paradoxalement, au départ, c'est plutôt une bonne chose, car il faut se souvenir que cette problématique apparaît avec l'apparition de plus en plus importante de la femme dans le monde du travail. Donc lorsque le monde du travail était masculin à 100%, il y avait sans doute un peu de harcèlement, moral beaucoup, sexuel sans doute beaucoup moins, mais pas de besoin d'intervention du législateur ou d'outils de protection juridique. Les choses ont changé dans les dernières décennies, donc c'est assez récent, années 60, années 70, avec donc des femmes de plus en plus présentes dans le monde du travail. Alors ça concerne le monde occidental, les États-Unis, l'Europe, etc. Il y a des pays où la femme est encore très absente du monde du travail et où dans certaines professions, la femme est presque majoritaire avec, malheureusement, parce que vous connaissez ce phénomène, une hiérarchie masculine et au niveau inférieur, donc une pyramide inversée, le fameux plafond de verre avec des femmes dans des situations subalternes dans la hiérarchie du monde du travail. Deuxième observation, il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas incriminés. Donc ça, c'est un principe fondamental de droit pénal. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ça pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de domaines, puisque ce qui n'est pas interdit étant autorisé, on peut essayer d'avoir un comportement qui paraît fautif, amoral, problématique, mais qui n'est pas expressément interdit par la loi pénale et que donc on ne peut pas empêcher. Je vais prendre un exemple pour raisonner par analogie dans un domaine qui a priori n'a absolument rien à voir, qui est la fraude électorale. La fraude électorale, c'est un autre des mots de la démocratie, parce que ça n'existe a priori que dans les pays où il y a des élections, donc déjà ça permet de sélectionner beaucoup le problème. Et dans tous les pays démocratiques où il y a des élections, il y a de la fraude. Pour ne parler que de la France, même la désignation du prochain responsable du Parti socialiste suscite pour ceux qui suivent ça de grandes inquiétudes de certains candidats qui s'inquiètent de ce qu'il va y avoir beaucoup de fraude. Bon, c'est comme ça. Et dans la fraude électorale, il y a des comportements qui sont expressément incriminés par la loi pénale, par exemple une fausse identité, une fausse adresse, imiter une signature, et puis il y a d'autres comportements qui, eux, n'étaient pas incriminés. Mettre des bulletins de vote dans ses chaussettes, mettre deux bulletins de vote, etc. Et donc on a créé une espèce d'incrimination fourre-tout qui s'appelle les manœuvres frauduleuses en vue ou susceptibles de fausser le scrutin. Donc vous voyez, manœuvres frauduleuses, on est passé de quelque chose de très spécifique comme le vol, le faux, l'escroquerie, etc., quelque chose de très large, tout ce qui ne serait pas bien. D'une certaine manière, le harcèlement moral au sein de l'univers du travail, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire comment faire pour essayer de réprimer au sens du droit du travail, c'est-à-dire d'empêcher, de poursuivre, de sanctionner et d'interdire des comportements qui ne relèvent pas, par exemple, de la loi pénale. Donc ça exclut toute la problématique des violences sexuelles. Donc on ne parle pas de viol, on ne parle pas d'agression, on ne parle pas de coups et blessures. Tout ça n'a pas besoin de parler de harcèlement. Ça relève de ce qui est apparu au moment où il y a bientôt 20 ans, la sociologie s'est intéressée à ce phénomène et a essayé de faire une espèce de typologie des harceleurs. Je parle de harcèlement moral. Et est apparu un personnage qui va avoir beaucoup de succès, qui est le personnage ou l'image du pervers narcissique qui exerce ainsi sa petite dictature sur ceux qui l'entourent, homme ou femme, et qui est au cœur, qui est un des cas de harceleur, puisque on s'est intéressé à la psychologie du harceleur en même temps qu'on s'intéresse à sa victime pour essayer, comme disait ma voisine, de prendre des mesures préventives. Et donc le harcèlement moral, je vais vous lire sa définition actuelle, c'est ce qui, dans l'univers du travail, puisque ça concerne dans un premier temps de façon quasi exclusive l'univers du travail, va avoir pour conséquence, et tous peuvent avoir à l'esprit, y compris au niveau, pendant ces études, des cas où une personne harcelée voit sa situation de plus en plus
donc diminué, en péril, et a des conséquences sur, en général, sa santé mentale. Donc ça provoque des dépressions, des suicides, des burn-out. Regardez ce qui s'est passé à France Télécom. Il y a très souvent, au départ, des phénomènes dits de harcèlement moral. Alors, la définition actuelle du harcèlement moral, c'est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Donc chaque mot compte, et je ne vais pas revenir longuement sur la définition, mais c'est pour vous indiquer qu'il y a nécessairement, puisque ça avait été souligné précédemment, le critère de la répétition, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une occurrence, il faut que ce soit un phénomène répété. Et dans la définition, on s'attache aux conséquences, ce qui est un peu particulier parce que si on prend l'exemple du vol, on vous vole, même si ça n'a pas de conséquences très importantes parce que c'est un objet auquel vous n'étiez pas attaché, ça reste un vol. Le harcèlement, sa définition inclut les conséquences, donc altération de la santé mentale ou physique ou des conditions de travail. Et si on regarde autour de soi dans l'univers du travail, ça devient le syndrome du petit chef abusif. Donc ça existe dans tous les métiers, dans tous les milieux, dans toutes les régions, dans beaucoup de pays. Donc ce n'est pas du tout propre ni à l'industrie du cinéma, ni aux médias, ni à la presse. Ça peut être dans n'importe quelle activité. Et c'est le petit chef, homme ou femme, qui, ou collègue de bureau, puisqu'au départ, on s'était attaché à la relation hiérarchique et puis au fil de l'évolution de la législation, on a supprimé parce qu'on s'est aperçu qu'on peut être harcelé par son voisin, non pas un chef, mais un collègue de même grade ou de même niveau. Et donc, on a supprimé ce côté hiérarchique qui était trop restrictif parce que malheureusement, sur le terrain, il y avait des situations où le harceleur n'était pas le supérieur hiérarchique. Et donc, on arrive à cette situation malheureuse d'altération de la santé ou de diminution. Et il y a tout un tas de mécanismes qui existent, puisque c'était aussi l'une des questions posées ce soir. Donc la loi existe, les mécanismes existent. Il y a une obligation de l'employeur de garantir la sécurité de ses salariés. Le problème, c'est que ces textes sont difficiles à mettre en place et que les victimes ont beaucoup de mal à les dénoncer, à les poursuivre, et que très, très, très peu de faits de harcèlement donnent lieu soit à un signalement, alors à l'inspection du travail, à des syndicats. Dans certaines grandes entreprises, il y a des cellules qui se sont mises en place pour permettre, y compris de façon anonyme, de procéder à ces signalements. Très, très peu de sanctions, très, très peu de poursuites. Alors, ça crée, comme dans d'autres domaines, et c'est là où il y a peut-être une analogie possible avec les violences sexuelles, en effet, la difficulté de la victime qui, lorsqu'elle se dit victime, eh bien, risque de subir des conséquences plus dramatiques encore, puisque dans beaucoup d'entreprises, petites et grandes, eh bien, c'est plutôt le harcelé qui plaint du harcèlement dont elle est victime, qui va voir sa situation s'aggraver, qui va se voir déplacée, etc. etc. Donc c'est ça la réalité à la fois sociologique, juridique et judiciaire du harcèlement moral. Et puis il y a le harcèlement sexuel, donc qui n'a rien à voir avec le harcèlement moral. Et donc je vous lis la définition. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et donc, ce dont on parle dans les mouvements de type MeToo, Balance Ton Porc, etc., a priori, c'est plutôt ce harcèlement-là, c'est-à-dire cette partie du harcèlement sexuel qui concerne donc les propos à caractère dégradant ou humiliant qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante. On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans la criminalité sexuelle. Bon, faut savoir que les crimes sexuels en France, la grande majorité, c'est au sein de la cellule familiale. Donc on parle de tout à fait autre chose. Et il y a une certaine confusion parce que malheureusement, les deux peuvent se produire majoritairement au sein du monde du travail. Alors d'abord pour des raisons anecdotiques, c'est qu'on passe l'essentiel de sa journée dans un milieu professionnel. Donc c'est là que se déroule l'effet de harcèlement. De façon plus réduite, et c'est ce que le législateur essaye d'appréhender dans les transports,
Mais les transports, c'est ce qui sépare le trajet du domicile au lieu de travail. Donc on attend un texte, on verra comment il va être rédigé, puisque pour l'instant, personne n'a vu le texte. Pour ceux qui suivent ces questions, des députés ont remis donc un rapport à l'Assemblée nationale et le gouvernement doit proposer un texte pour réprimer donc les faits de harcèlement de rue qui concerneraient le trottoir, le bus, le train, etc. Et puis, dans l'entreprise, on peut avoir l'un et l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces phénomènes, ces actes de harcèlement, soit moral, soit sexuel, sont également réprimés lorsqu'ils concernent la cellule familiale. Alors ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus rarement parce que les prises de position récentes, mais il y en a eu beaucoup d'autres dans les décennies passées, moi, je pourrais vous citer plein d'exemples de tas de personnalités qui ont dénoncé tous ces faits-là. Donc aujourd'hui, ça a eu un peu plus de succès, tant mieux, parce que il y a une parole qui se libère, comme on dit, mais la réalité sur le plan judiciaire est toujours aussi désolante, c'est-à-dire très peu de réactions, très peu de possibilités de poursuites et très peu de condamnations. Mais sachez que le harcèlement moral peut également être réprimé lorsqu'il intervient dans le cercle familial et privé, puisque le code pénal réprime le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, et c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, quel intérêt ? Parce que, soit on est dans une situation de type faute du conjoint et ça peut nourrir un divorce pour faute, soit on se sépare, soit il y a des violences qui vont au-delà, et à ce moment-là, ça peut être le viol qui est aussi possible, en tout cas réprimé, entre époux ou concubins. Mais c'est pour vous indiquer que la difficulté technique pour le législateur, c'est d'appréhender ces faits soit dans le monde du travail, soit dans la rue, soit à la maison. Donc là, on a couvert le spectre complet de ce qui peut se passer dans sa vie de tous les jours, pour des faits qui ne sont pas la violence, qui ne sont pas le viol, qui ne sont pas les coups, mais qui sont le plus souvent l'abus verbal, puisque c'est souvent des propos. Donc ça peut être alors ce qu'on appelle le dragueur un peu lourd, là ça peut dégénérer en harcèlement sexuel, ou le petit chef un peu abusif, et là ça peut dégénérer en harcèlement moral. Voilà la situation juridique. Elle est malheureusement, donc je le répète, très peu satisfaisante, parce que ces textes, c'est très bien, mais par-delà l'effet d'annonce auquel on est en train d'assister pour le harcèlement dit de rue, donc là, on voit encore moins dès à présent, sans avoir lu le texte, comment on pourrait avoir un agent derrière chaque femme dans la rue ou à tous les coins de rue. Bon, ça marche plus ou moins bien pour les voitures en stationnement irrégulier, et encore, parce qu'on arrive avec des moyens techniques à flasher les plaques d'immatriculation, mais on ne voit pas très bien comment ça pourrait se passer, encore moins dans les transports en commun. En Iran, d'où vient madame, dans le métro à Téhéran, il y a des voitures réservées aux femmes, pour ceux qui veulent être dans une voiture réservée aux femmes. Bon, ça peut être une solution d'ordre pratique pour l'organisation des transports en commun, mais pour ce qui est de la protection soit des salariés, soit des femmes, soit des conjoints ou des conjointes, les textes sont assez peu utilisés et le droit, c'est difficile pour un avocat de dire ça, mais c'est un constat d'échec, mais le droit est assez impuissant à appréhender ou en tout cas à empêcher ces réalités. Donc je rejoins ma voisine dans cette idée peut-être un peu utopique que la réponse ou en tout cas le changement ne viendra pas du droit mais plutôt de l'éducation. C'est pour ça qu'on vient dire ça dans ce contexte, dans ce cadre scolaire et universitaire, parce que il faut peut-être plutôt espérer sur une évolution des mœurs que sur l'évolution de la législation. Pour faire très très simple, les textes sont à peu près satisfaisants. Ils existent, ils peuvent être actionnés, ils peuvent être utilisés, ça pourrait marcher. La réalité est beaucoup moins glorieuse et ce n'est pas en ayant des lois en permanence ou en changeant les lois tous les 34 matins ou tous les 36. Le chiffre m'échappe tout d'un coup. C'est 36 du mois ou tous les 4 matins, voilà. Oui, merci madame, j'ai mélangé deux expressions. Tous les 4 matins, parce que la réponse est assez nécessairement décevante. Alors,
Je n'ai pas le temps ici de développer le problème des victimes de ces faits, que ce soit harcèlement moral ou harcèlement sexuel, mais la vraie difficulté, elle est là sur le terrain. C'est-à-dire, il y a des dispositifs au niveau de la police pour recevoir ces plaintes, les traiter, au niveau de la justice. Les choses évoluent très, 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 très lentement. Il y a encore beaucoup de commissariats en France où, si on vient dénoncer ce genre de choses, on a de fortes chances pour que être reconduite, puisque ça concerne essentiellement des femmes, sur le trottoir, et la plainte n'est même pas prise en compte. Donc là, bon, ça évolue tout doucement. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que ces phénomènes essentiellement médiatiques, puisque ce dont on a parlé, que ce soit à New York et non pas à Hollywood, s'il y a des Californiens dans la salle, mais ou sur le plan français pour Balance ton porc, qui est un phénomène plutôt d'ordre médiatique, l'évolution sur les structures qui sont faites pour accueillir ces victimes et essayer de punir les auteurs, celles-là, elles évoluent très, 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 très lentement. Donc aujourd'hui, regardez les statistiques. Donc il y a déjà sur la période, la très récente, sur un an, on a déjà des évolutions assez brutales en termes de dénonciation de plaintes. Donc on part de très, très bas. Là, on a des chiffres qui augmentent très, très vite. Et donc, il sera intéressant de voir si ces phénomènes médiatiques continuent d'avoir des conséquences plutôt heureuses, de mon point de vue, sur la réalité qui est celle-là judiciaire. Quant au monde du travail, ça dépend des entreprises, mais il y a encore... Alors il y a les mêmes textes, je vous épargne les dispositions pour la fonction publique, mais c'est à peu près la même chose pour les agents publics. Mais dans la plupart des entreprises, petites et grandes, la réponse n'est toujours pas satisfaisante. C'est-à-dire que pour l'instant, dans la majorité des cas, c'est la personne harcelée qui est ostracisée, c'est pas le harceleur. Et donc il y a d'autres phénomènes dont on n'a pas le temps de parler, je pense notamment au mobbing, et donc on retourne au droit du travail et à l'univers de l'entreprise, où des personnes peuvent être mises à l'écart, y compris sans qu'il y ait ces faits répétés de propos. Donc c'est encore plus insidieux, c'est pour vous dire qu'il y a encore pire que le harcèlement. Il y a la personne qui est dans l'univers, et c'est vrai à l'école, c'est vrai à l'université, c'est vrai dans le monde du travail, qui est mise au banc de la communauté pour des raisons mystérieuses ou incompréhensibles, qui en souffre terriblement au point parfois de se suicider, enfants, adolescents, étudiants et monde du travail. Et donc ça, les textes ont beaucoup de mal à l'appréhender, mais c'est pour vous dire que le harcèlement est une des catégories de tout ce qui peut très très mal se passer dès qu'on met des hommes et des femmes dans un univers plus ou moins clos. Et Marcella Yacoub aura cœur de vous dire que l'homme est un loup pour l'homme. Donner peut-être mon interprétation de ces mouvements Balance ton porc, que peut-être c'est un mouvement qui, à mon sens, n'existe plus, qui a été très vif pendant quelques semaines en France à partir de la mi-octobre de l'année dernière. Et en fait, je voulais juste d'abord dire quelque chose qui peut-être n'a pas été suffisamment comprise par la population victime des médias qui racontent pas toujours ce qui se passe véritablement. En fait, avec une collègue, une amie qui est là d'ailleurs, on a analysé les tweets depuis les débuts des mouvements Balance ton porc. Et en fait, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un véritable écart entre la manière dont les médias parlaient de Balance ton porc comme un mouvement de dénonciation nominatif. Il y a des gens qui disaient la délation, on n'aime pas la délation, on a comparé même à Vichy. Enfin, c'était tout un déferlement, une interprétation
des médias, de ces mouvements qui avaient lieu par Twitter, qui en fait n'avaient absolument rien à voir avec ce qui était en train de se passer par Twitter. Parce qu'il y avait eu très peu de dénonciations nominatives par Twitter. Les tweets qui ont été d'ailleurs, qui sont certains d'entre eux d'une beauté assez extraordinaire, parce qu'il y a une véritable poésie dans ces petits textes qui avaient très peu de caractère et qui racontaient beaucoup de choses. Mais en fait, pour la plupart, les cœurs, disons, de ces mouvements de parole qui étaient ces tweets pour Balance ton port, étaient plutôt des histoires, des malheurs, d'inégalités sexuelles, de la manière dont les femmes sont traitées comme en tant qu'objet sexuel au regard des hommes, c'est-à-dire que dénoncer l'inégalité sexuelle qui existe dans notre société, dont la violence sexuelle, les viols, les harcèlements et toutes les autres infractions, ne sont qu'une manifestation, parce que notre inégalité sexuelle entre les hommes et les femmes n'est pas simplement liée à la violence, mais elle est liée aussi à la manière dont nous sommes perçus, et liée au fait que, par exemple, pour donner quelques exemples, c'est par exemple l'homme qui invite les femmes qui acceptent ou qui n'acceptent pas, c'est comme s'il y avait toujours une sorte d'impossibilité de concevoir les désirs féminins et masculins de la même façon. Il y a aussi pour les femmes le fait quand elles ont beaucoup d'aventures, elles sont traitées des putes, des salopes, alors que les hommes sont des séducteurs. C'est lié au fait que une femme d'un certain âge, elle n'a plus du tout la même capacité d'attirer les hommes qu'un homme du même âge qu'une femme. Enfin, l'inégalité sexuelle, elle est beaucoup plus large que la seule manifestation de la violence. Et le sentiment qui donnait la lecture de ces tweets, c'est justement qu'il y avait des histoires qui portaient sur différents aspects de la vie des femmes, mais qui dénonçait toute cette inégalité qui existe encore entre les hommes et les femmes d'un point de vue sexuel. Alors, c'est justement pour revenir à quelque chose qui a été dit par ma voisine sur justement les niveaux sociaux de ces femmes qui ont employé Twitter pour balancer leur port, en fait. C'est très important. Moi, je trouve que ce qui est justement très intéressant, c'est que c'était un mouvement d'élite. Déjà, Twitter, c'est un mouvement d'élite, c'est pas un mouvement des gens pauvres ou sans diplôme. Et c'était plutôt des jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans un moment de l'histoire des rapports avec les hommes qui est très important, dans la mesure où là, aujourd'hui, par exemple, le niveau de diplôme des femmes qui ont une vingtaine d'années, quand on les compare aux femmes qui ont 50 ans, si on compare le niveau de diplôme des femmes et des hommes, aujourd'hui, les femmes des 20 ans sont plus diplômées que leurs compagnons, en fait. C'est-à-dire qu'on est en face à une génération qui va dépasser, les femmes vont dépasser leurs compagnons par leur diplôme, et ce qui va entraîner sans doute des changements très importants, tout en sachant d'ailleurs qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui était le cas il y a quelques décennies, pour donner quelques chiffres pour vous situer, en France, par exemple, 50% des femmes qui vivent en couple, soit elles travaillent à mi-temps, soit elles ne travaillent pas du tout. Alors qu'il y a un autre 50% des femmes qui sont de mieux en mieux intégrées au monde du travail et qui vont l'être de plus en plus, ce qui a généré déjà et qui va encore générer dans l'avenir une véritable fracture dans la manière dont les femmes ont de vivre. Il y aura d'une part les femmes qui se sacrifient, entre guillemets, pour leurs enfants et pour leur famille, et d'autre part des femmes qui vont être de plus en plus intégrées dans des positions de cadre, etc. Et moi, je pense que ces mouvements de balance ton port, c'est le mouvement de ces élites, des femmes, qui, puisqu'elles ont des positions professionnelles, des diplômes, etc.,
aussi important, voire plus important que c'est des hommes, elles n'ont plus envie de se faire traiter des choses, des putes, des marchandises, des vieilles, des etc. etc. Je crois que ça, c'est un phénomène que malheureusement, les mouvements féministes à qui on a donné la parole depuis que Sandra Müller a lancé les mouvements à l'instant port, ne veulent pas voir. Et que les médias ont donné la parole qu'à ces mouvements féministes, comme Oser les féminismes et d'autres, qui ne veulent absolument pas voir qu'on vit aujourd'hui une sorte de séparation dans les mondes des femmes. D'une part, les femmes de plus en plus intégrées, de plus en plus diplômées, et d'autre part, les autres qui ont continué à faire les choix de se sacrifier, je vais entre guillemets, disons, de sacrifier leur destin au fait d'élever des enfants, en fait, alors que peut-être notre société pourrait avoir d'autres moyens pour que, en fait, tout ce qui concerne le travail domestique, concernant l'éducation des enfants, soit moins dur pour les femmes et qu'elles n'aient pas à sacrifier leur destin professionnel. Voilà. Je crois que ça, c'était un peu les grands malentendus, d'une part, les malentendus par rapport à l'action pénale, qui n'étaient pas du tout les buts de ces mouvements, et d'autre part, par rapport à l'interprétation. Pourquoi ? Parce que le mouvement féministe, il dit finalement, balance ton port, n'a été qu'une exacerbation de toutes les demandes que nous n'avons pas cessé d'articuler depuis quelques décennies, et qui vont dans le sens d'un approfondissement de la répression en matière des violences sexuelles. Alors, le problème étant que, d'une part, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'une société ne va pas changer à force d'action pénale. Et d'autre part, nous vivons dans des états des droits, et ce ne serait pas très drôle, disons, je dis entre guillemets, ni très enthousiasmant que les juges pénales cèdent, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas la même attention à la preuve et à tous les principes des droits pénaux qui défendent l'accusé pour qu'on puisse punir davantage les infractions sexuelles. Ce serait très dangereux parce que l'État démocratique, l'État des droits, se soutient justement de toutes ces défenses et de tous ces interdits d'une certaine façon de ne pas respecter la présomption d'innocence, de ne pas respecter la manière dont on doit produire une preuve, etc., pour qu'on ne passe pas d'un état de droit à un état dictatorial. Et peut-être aussi, je pense qu'une des choses qui ont été très intéressantes dans le mouvement Balance ton port, c'est qu'elle peut nous donner des pistes. D'une part, effectivement, essayer d'imaginer que, ce que je viens de dire sur la question des femmes, peut-être que d'essayer peut-être de réabsorber cette fracture entre les élites et les femmes, et les femmes au foyer ou les femmes presque au foyer, ou, etc. Mais aussi, peut-être essayer de concevoir des nouvelles sanctions qui ne soient pas forcément la sanction pénale par rapport à ce type d'infraction. Et je crois que les tweets ont été intéressants pour ça aussi. Nous avons pensé avec des collègues que peut-être une voie serait peut-être pas insister tellement sur la question pénale qui va avoir toujours des limites, j'insiste, de l'état des droits, mais par exemple utiliser la voix de la presse. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de l'énonciation dans les médias de certaines personnes, peut-être organiser des balances ton port dans les journaux et non pas peut-être dans les tribunaux pénaux, parce que la liberté de la presse, le fait que les gens puissent dire telle personne m'a harcelé dans le travail, qu'on puisse le dire dans les médias, et donner peut-être la possibilité à la personne qui est dénoncée par les médias, j'insiste, peut-être de se défendre, pour être une voix, à mon sens, plus intéressante que le fait d'utiliser simplement la voie pénale, qui est beaucoup plus difficile, en fait, à employer. Et juste pour finir, je vais juste dire que le fait que ce soit un mouvement d'élite, balance ton port, ne veut pas dire que ça doit rester un mouvement d'élite. C'est-à-dire que je pense que s'il y a quelque chose que les mouvements féministes traditionnels n'ont pas du tout investi, c'est le fait que les femmes se mettent justement qu'elles décident, par exemple, de ne pas travailler,
de s'occuper de leurs enfants, de travailler à mi-temps, de se mettre en situation de vulnérabilité économique et sociale au regard de leurs partenaires. C'est quelque chose qu'elles n'ont jamais voulu investir parce qu'elles ont toujours voulu, d'une certaine façon, que l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit pas pleine et entière. Elles ont voulu maintenir une égalité entre les hommes et les femmes à partir de l'idée de la maternité, c'est-à-dire que les femmes, nous serions différentes aux hommes parce que nous sommes des mères. Et je crois qu'elles ont voulu, au lieu de penser l'égalité, essayer de faire en sorte que les femmes, dans leurs conditions de mères, alors qu'elles travaillent moins ou dès qu'elles ne travaillent pas du tout, etc., puissent avoir des compensations économiques de la part de leurs compagnons ou de l'État, justement pour ne pas travailler, etc. Et moi, je pense que ce mouvement Balance ton port est un mouvement porteur d'un autre avenir, d'une autre façon de penser l'égalité. C'est pour ça que je crois qu'il a ouvert des espérances énormes que les journalistes n'ont pas cessé de piétiner, malheureusement, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils sont trop ignorants, parce qu'ils trouvent que rentrer dans des affaires aussi délicates et complexes, qui impliquent et peut-être qui peuvent les pousser à changer des positions par rapport à ce qu'ils avaient imaginé jusqu'alors, ça leur implique trop de travail et ils préfèrent que le monde continue à rouler comme il roule, même s'il ne roule pas trop bien, en fait. Voilà, j'ai terminé. Je vais passer le micro à ceux qui veulent poser des questions, mais juste pour résumer très brièvement sur ce que vous avez dit tous les trois. Donc, on voit que le mouvement Balance ton port a été un mouvement aussi pour changer les comportements, mais aussi un mouvement pour le droit à l'égalité des droits, l'égalité des droits dans le domaine du travail, politique, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les choses ont déjà commencé à changer ? On a parlé de certaines applications dans le domaine du droit, comme l'amende pour outrage sexiste, qui n'est pas forcément une très bonne idée. Le gouvernement propose une cinquantaine de lois. Alors, est-ce que vous pensez que les choses vont quand même changer, ou est-ce qu'on peut juste s'auto-réguler nous-mêmes en changeant nos comportements ? Est-ce que l'État doit intervenir ou pas ? Ça, c'est mon unique question. Qui veut parler ? Moi, je peux dire un mot parce que il y a, à mon sens, dans ce qu'on appelle MeToo, balance ton port, quelque chose qui relève d'un autre phénomène qui, pour moi, est que certains appellent la pipolisation de la vie publique, c'est que ça concerne des gens connus et que le reproche qui leur est fait, c'est que leur notoriété ou l'éminence de leur rôle social leur confère un devoir d'exemplarité. Et donc, lorsqu'on dénonce un ministre, un grand producteur, un grand journaliste, il y a un effet médiatique qui n'est pas du tout le même que lorsque on est employé au conseil général de je ne sais pas où et qu'on va au prud'homme pour dire que son chef de service. Bon. Et donc, la réalité, on va dire, démographique de ce dont on parle, c'est d'aller tous les matins au boulot, la peur au ventre, parce qu'on va retrouver tel petit chef, tel collègue ou tel autre qui harcèle. Ce n'est pas le problème de la dénonciation d'un personnage emblématique compte tenu de sa notoriété ou de son rôle dans la société. Et ce phénomène-là a été, je l'ai dit, je le répète volontiers, à mon sens, plutôt bénéfique, ou en tout cas, il serait bénéfique si cette espèce de devoir d'exemplarité qu'on assigne à tort ou à raison, d'ailleurs, des gens connus ou en vue, quelles que soient les raisons de leur notoriété ou du rôle qu'ils jouent, puisque j'ai cité ministre, journaliste, producteur, etc. Donc ça concerne très très peu de monde, mais je crois qu'il ne faut pas confondre le fait que ces dénonciations-là concernent des gens connus et que le retentissement est à l'aune de la notoriété des personnes dénoncées, non pas de la gravité des faits dénoncés. Parce que le New York Times et le New Yorker pourraient faire la même enquête sur un obscur patron d'une obscure société, d'un État reculé du fin fond des États-Unis. Ça n'intéresserait sans doute personne.
mais du point de vue de la victime, c'est ça le vrai problème. Alors, pour répondre à votre question, oui, je crois, j'espère en tout cas que ce phénomène plutôt médiatique et qui relève de ressorts qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet, hein, qui est plutôt du ressort de le fonctionnement des médias, de la notoriété, etc., a ou aura, ou a déjà en tout cas, vous avez cité quelques exemples, des conséquences plus générales, et l'espoir qu'on peut avoir, c'est que ça profite à tout le monde et que ça ne concerne pas que les quelques dizaines de personnes en vue qui se voient exposées du fait de leur exposition préalable. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Ça, c'est la bonne expression. D'abord, je suis tout à fait de votre avis. Balance ton porc, je trouve ça absolument dégueulasse. Après, que c'est comme expression, quoi. Enfin, c'est un peu dommage. Après, que c'est des effets, je pense que ça va avoir des effets très importants. Mais là où je vous rejoins, c'est que j'ai une petite fille qui vit aux États-Unis, qui a 11 ans. Eh bien, aux États-Unis, vous avez parlé tout à l'heure des comportements différents, dont justement ne pas regarder, etc. Alors, ils ont d'autres défauts, hein, aux États-Unis. Mais là, effectivement, il y a un côté très, comment dirais-je, je dirais même pas prude, enfin, une réserve de soi par rapport à tout ce qui pourrait être de l'ordre du sexuel. Mais aux enfants, à l'école, dès l'âge de... Dès les premières classes, on dit aux enfants, personne ne doit toucher à ton corps. Et ça, c'est très clair. Et ça, c'est très important. Et ça, ça leur apprend à se respecter. Et ce qui me semble très important, justement, ce qui est dénoncé par toutes ces actrices, etc., qui sont déjà arrivées à un certain âge quand elles se sont donné l'autorisation de parler. Maintenant, il y en a de beaucoup plus jeunes qui parlent. Mais enfin, la première qui peut parler quand ça lui arrive, c'est celle à qui ça arrive. Et c'est à elle de se défendre, de réagir, sans parler d'agressivité, mais de réagir immédiatement et directement à la personne qui éventuellement lui suggère quelque chose, lui fait une proposition un petit peu comme ça, un petit peu dessinée, mais qui, au fond, on voit bien où ce monsieur veut en venir. Et là, je crois que c'est quelque chose qui devrait fondamentalement changer dans l'attitude des jeunes filles et des jeunes femmes. Parce qu'on ne peut pas cloisonner les choses comme ça à partir du moment où les femmes ont un accès plus de qualifications sur le plan professionnel. Moi, je sais que Roselyne Bachelot, qui était quand même quelqu'un d'un bien placé, elle a été quand même aussi quelquefois très maltraitée. Madame Veil, Simone Veil également a été quelquefois très maltraitée, d'une manière scandaleuse et honteuse. On se permettait de s'adresser à elle de cette manière. Et je rappellerai autre chose, parce que je suis plus âgée que vous trois. Moi, je me souviens très bien de l'histoire des Ballets Roses. L'histoire des Ballets Roses, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais enfin, c'était le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait Monsieur Le Troquer, qui s'était permis d'avoir un petit harem comme ça de jeunes filles entre 15 ans et 18 ans pour procurer un certain plaisir à lui-même et à certains de son hommes de son entourage. Alors maintenant, je pense que c'est très tôt qu'il faut que les filles, puisqu'on parle des filles, mais les garçons aussi, hein, soient éduqués de manière à se respecter les uns et les autres. Et respecter une fille n'enlèvera rien à un garçon, à un futur homme de sa qualité d'homme. Bien au contraire. Je suis aussi passionnée que vous. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, enfin, c'est très bien d'enseigner aux petites filles à l'école, dès la maternelle, que personne ne doit toucher à leur corps, que leur corps leur appartient, etc., etc. Mais en même temps, il faut aussi, par exemple, au niveau des jouets qu'on donne aux enfants, qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire que si on continue à dire que les petites filles doivent porter la couleur rose et les petits garçons bleu, et que les petites filles doivent jouer avec la poupée et que les garçons avec le fusil et les voitures, de toute façon, on va reproduire ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut là encore
articuler réellement cette formation-là qui nous manque encore, qui nous manque encore. Hein. Il ne faut pas penser que partout on donne ces genres d'instructions, mais finalement, il y a de plus en plus justement de conscientisation aussi sur cette question-là, que vraiment ça commence dès le bas âge, hein, et que l'éducation est très importante, et qu'il n'y a pas que la famille, il y a aussi et surtout l'école qui doit effectivement enseigner aux enfants ces valeurs-là. Mais en même temps, c'est-à-dire le respect de soi, etc., etc., mais en même temps, il faut qu'on puisse continuer. Et regardez les petites filles, justement, qui regardent leur mère. En France, les États-Unis, ça m'échappe, je ne me rappelle plus, mais en France, plus de 68% des femmes travaillent en France. Mais si vous regardez qui travaille dans quoi et quels sont, par exemple, les écarts entre les salaires des hommes et des femmes. Si on sait qu'il n'y a que 10% des femmes en France qui sont dans des positions, très bien payées, prestigieuses, de pouvoir, etc., et que 75%, si ma mémoire est, 65% des femmes qui travaillent en France travaillent dans le ménage, comme secrétaire, comme caissière, et j'en passais d'autres, hein, ben, les petites filles, forcément, regardent leurs parents, hein, et se font une idée. Et donc, ça, c'est pour ça que je pense qu'il ne s'agit pas juste de dire qu'il faut changer les mentalités. Je pense et je suis persuadée qu'il faut changer les bases concrètes de ces inégalités-là, afin aussi que les mentalités changent beaucoup plus facilement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Effectivement, il faut qu'on continue à éduquer nos enfants de façon, disons, égalitaire, afin que ce respect puisse exister. D'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que dans les jeunes générations, il suffit de voilà, il y en a pas mal de jeunes ici, on constate que ce respect existe déjà, et que beaucoup plus que dans les générations précédentes, parce que voilà, les sociétés bougent également aussi. Et donc, ça aussi, c'est l'un des impacts peut-être positifs des médias. Ils ont beaucoup d'impacts négatifs, mais aussi parfois des impacts positifs. Mais moi, mon inquiétude, c'est autre, hein, par rapport à MeToo ou Balance ton porc. Hein, c'est aussi, si je peux me permettre, de dire que moi, je ne serais pas d'accord avec ma voisine, parce que les mouvements féministes, bah, il y a eu des mouvements en France, on a des universalistes, on a des différentialistes, ça dépend de qui on parle déjà. Hein, toutes les féministes ne disent pas la même chose, n'ont pas nécessairement la même approche, hein, d'une part, et d'autre part, de toute façon, je ne pense pas que ces mouvements étaient nécessairement n'ont pas été attentifs, je veux dire, au fait que les femmes ne constituent pas une entité homogène. Je dirais, il faut être aveugle pour ne pas le voir aujourd'hui, parce que les statistiques sont là, justement, et on sait que ça dépend des catégories des femmes, bien sûr, mais le souci, encore une fois, mon souci principal aujourd'hui, c'est que les femmes des statuts aisés parlent, ont pris la parole, et comme vous disiez, les médias leur donnent aussi l'ampleur à cette parole-là, mais on n'entend pas encore des femmes des positions moins aisées, moins élevées dans la société. Ce sont elles qui sont les premières harcelées, et ce sont elles qui n'osent pas dénoncer. Pourquoi? Parce que pour le moment, combien de personnes, combien d'hommes harceleurs ont perdu leur emploi? On sait qu'ils sont, et normalement dans les entreprises, on les prenne de ce poste-là et on les met dans un autre poste, mais on ne les licencie pas. À l'échelle des universités, on ne les licencie pas. On change leur département afin qu'ils ne soient pas exposés aux mêmes étudiantes. Mais on les passe. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Voilà, ils font tout ce qu'ils veulent. Et donc, moi, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de dire changeons des mentalités. Changeons surtout les rapports de pouvoir. Le vrai mot, c'est le mot pouvoir, hein, quand même. Il y a deux micros? Non, il n'y en a qu'un. Alors,
Moi, je voulais dire que j'étais très intéressée par l'interprétation de Marcela Yacoub sur cette césure, parce que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été dit. C'est qu'effectivement, le mouvement Balance ton porc marque cette césure. Alors, je crois qu'il faut quand même dire en préalable que ce n'est pas du tout des célébrités. Je crois que si vous allez voir, non pas dans les médias qui parlent du mouvement, mais dans les tweets de Balance ton porc, on n'a pas des célébrités. Et on n'a pas non plus que des femmes de position particulièrement cadre. Alors, effectivement, ce que je n'avais pas vu, et je pense que vous avez raison, on a des femmes qui travaillent, et qui travaillent dans une position qui probablement... C'est 50% au moins de la population, mais on n'a pas une coupure. Alors évidemment, le tweet, ce n'est pas quelque chose d'hyper populaire, mais quand on analyse vraiment les tweets, les tweets, pas ce que la presse en donne, on voit bien qu'on a des femmes de tas de conditions sociales différentes. Alors sûrement pas les ouvrières, d'accord, on n'a pas les ouvrières, etc., mais c'est une représentation qui est plus large, probablement à la césure près qu'a dit Marcela Yacoub. Alors là où j'ai été surprise en vous entendant, c'est par deux choses. La première chose, c'est quand vous parlez des sanctions, la sanction du tribunal médiatique, je pensais que qu'il y avait plus d'imagination pour inventer des choses, parce que est-ce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait satisfaisant? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la sanction pénale, elle est très utile dans un certain nombre de cas, mais elle a vraiment ses limites. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas inventer autre chose? On a vu, je ne sais pas, tout à l'heure, quand vous avez parlé des balais rouges, j'ai cru que vous alliez parler de l'ancien président du CSA qui s'est retrouvé, comment il s'appelait, un journaliste célèbre qui a été président du CSA et qui a été accusé de choses abominables à côté des balais... Dominique Baudis. Je pensais que vous alliez parler de l'affaire de Dominique Baudis. Le tribunal médiatique, bon, c'est moyen. Hein. Voilà. Et pourtant, il avait la capacité de répondre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des choses un peu plus stimulante que s'en remettre à des journalistes, dont vous nous avez dit après tout le mal que vous pensiez, mais est-ce qu'on ne pourrait pas? Et est-ce que vous avez vu des pistes plus intéressantes? La deuxième chose où j'ai été surprise en vous entendant, c'est cette idée de sacrifice. Je ne m'attendais pas à ce que vous présentiez ces femmes qui ont choisi de ne pas travailler, qui n'est pas notre cas, d'accord, mais qui ont choisi de ne pas travailler, comme des femmes qui se sacrifient. Et je ne suis pas complètement sûre qu'on puisse forcément les présenter comme ça. Mais, et voilà. Et je me demandais aussi qu'est-ce que voilà, les féministes, vous leur reprochez, à mon avis, juste, vous avez raison de souligner qu'elles ne pensent pas toutes pareilles, mais c'est quand même un angle aveugle du féminisme de penser les femmes qui justement vivent une vie en dehors du monde du travail. Et comment on pourrait le penser et qu'est-ce qu'on aurait pu proposer? Moi, je pense, si vous voulez, qu'un mouvement féministe égalitariste, parce qu'il devrait s'attaquer en premier à essayer d'éviter que les femmes fassent des enfants avant même d'avoir une qualification pour travailler. Je pense que c'est se mettre en situation d'une énorme vulnérabilité. J'ai eu des discussions autour de cette question. Par exemple, il y a eu des enquêtes très intéressantes qui montrent comment les femmes qui soit ne travaillent pas, soit travaillent à mi-temps, des fois doivent subir des choses atroces, la perte de leur conjoint parce qu'elles ne peuvent pas partir, en fait. C'est quand même pas possible dans un monde dans lequel l'autonomie individuelle et l'égalité et la liberté est mise en avant, qu'il y ait tant des femmes qui soient, d'une certaine façon, esclaves, entre guillemets, dans leur famille, en fait. Voilà, moi, je trouve que ça crée une... Sans compter, si vous voulez, toutes les études qui ont été faites sur les sentiments, pas seulement pour la violence, à laquelle ils sont beaucoup plus facilement cibles des violences, et des fois d'une forme de violence qui n'est pas caractérisée par les droits pénals. Par exemple, Jean-Claude Kaufmann a écrit un livre qui s'appelle « Piégé dans son couple » où il raconte une cinquantaine d'histoires des femmes qui ont fait ces choix et des personnes, des hommes qui... Là, ils ne violent pas, c'est qu'ils ne couchent plus avec elles depuis 3 ans. Alors, elles sont très malheureuses parce qu'on ne couche pas avec elles. On ne les viole pas, on ne les frappe pas, mais il vient... Voilà, c'est... Elle ne peut pas partir parce que les enfants sont petits, parce qu'elle n'a pas de travail, parce qu'elle s'est désocialisée. Moi, je trouve que c'est quand même... Excusez-moi d'aller dire comme ça, mais c'est un peu scandaleux qu'on n'essaye pas de s'attaquer à toutes ces femmes qui sont emprisonnées dans les couples, en fait, dans les couples et avec les enfants. Il faudrait essayer d'éviter qu'il y ait des situations de ce type. Enfin, d'autant qu'il y a très peu d'hommes qui font ces choix, en fait. Hein. C'est comme par hasard, c'est les femmes qui font ce type de choix.
Et là, par exemple, je sais que dans des pays comme le Québec, on propose maintenant des crèches 24 heures sur 24, par exemple, c'est-à-dire que pour ne pas qu'une femme qui veut travailler, qui veut continuer des études, etc., ne puisse pas être empêchée à cause du fait que l'enfant ne lui permet pas de... Bon, mais je veux dire que ça, c'est la... Et moi, je pense que c'est ça, c'est ces problèmes-là qui est éludé par les féministes, qui, d'une certaine façon, il faut dire que dans les années 70, quand on a fondé la modernité sexuelle et familiale, les mouvements féministes de l'époque étaient très contents que les femmes soient... aient obtenu les enfants, ont eu qu'il n'y a plus de soi-disant, c'est patriarcat, que les hommes avaient les pouvoirs sur les enfants, les pouvoirs patriarcat, etc. Et du coup, c'est elles qui ont... Bon, c'est une victoire à la Pyrrhus, ils ont eu l'enfant, mais ils ont eu aussi la misère qui va avec. En France, il y a 22% des familles monoparentales, dont la plupart sont... 85%, c'est des femmes qui la dirigent. Ils sont dans une situation de précarité, de misère, pas possible. Alors, voilà, il faut trouver une solution pour... ça, c'est, moi, je pense que c'est la base de toute la question. C'est-à-dire que ces femmes-là, qui, j'insiste, entre guillemets, se sacrifient pour élever des enfants, pour croire au fait qu'ils ont trouvé un homme qui va pas les mépriser, qui va les respecter, en dépit du fait qu'ils ont fait un choix de ne pas travailler, etc. Voilà, tant qu'on est. Je pense que ces femmes-là, qui d'une certaine façon sont dans une position des handicaps sociaux et d'infériorité, etc., elle crée un effet de genre sur toutes les femmes, en fait. Moi, je pense que ces problèmes-là, c'est le problème, la question féminine, elle est là. C'est peut-être un peu choquant, mais c'est bien de choquer c'est bien de faire choquer un peu. Est-ce que les femmes ne sont pas aussi esclaves au travail? Est-ce que quand vous gagnez 1 500 ou 2 000 euros, est-ce que ce n'est pas le summum de l'esclavage? Est-ce qu'il faut que tout soit monétarisé? Est-ce qu'il y a une grande liberté avec les enfants, être ailleurs de la société? Non, si on était des rentiers... Je croyais que vous cherchiez des voies, des lignes de fuite, et là vous enfermez les gens, si vous voulez, dans un travail salarié. Je trouve ça très curieux. Je pensais que vous aviez des positions plus libertaires. Si vous voulez, je suis très déçue. Ma liberté, mais il faut manger quand même. Il faut se nourrir. Hein. Moi, si je suis libertaire, j'aimerais bien que tout le monde soit rentier, que personne n'est... Moi, j'aimerais bien... Je pense que serait un monde idéal dans lequel personne ne serait obligé de travailler pour vivre, dans lequel les gens feraient que les métiers dont ils ont envie. Mais bon, malheureusement, pour l'instant, on n'est pas arrivé là. Moi, j'aimerais bien que... Enfin, comme... Vraiment, je souhaiterais à l'humanité qu'elle soit libérée, qu'on puisse vivre sans travailler. Mais malheureusement, on n'est pas encore comme ça. Mais oui, mais sinon, elles sont des esclaves de leurs conjoints. Elles sont esclaves, mais lisez les études qui ont été faites. Ah, on est moins esclaves de son patron que de son mari. Hein. Si vous êtes esclave de votre patron 8 heures et de votre mari 24 heures sur 24. Alors, non, mais... Non, moi, c'est moi qui soutenais les maris hein, que j'ai eu. C'était pas l'inverse. Moi, je voudrais juste citer l'une des féministes françaises pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de respect. C'est une philosophe, c'est Geneviève Fraisse. Et pour laquelle, et elle depuis les années 90, hein, elle a toujours montré le lien entre la cité hein, et la famille. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas voir hein, cette articulation entre politique et famille. Et tout ce qui se passe, tout ce que dit Marcela Yacob, avec lequel je ne suis pas nécessairement d'accord, mais ce n'est pas peut-être le lieu ici d'en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe à l'intérieur des familles, qu'il s'agisse des familles d'ailleurs monoparentales ou des familles avec les deux parents, avec les enfants, tout ça. Et effectivement, le travail domestique mené par des femmes encore aujourd'hui en France, puisque 67% des travaux domestiques sont menés par les femmes alors que ces femmes par ailleurs travaillent, tout ça sont liés aussi à l'échelle politique. Et si on ne prend pas en compte ce rapport cité-famille,
Et si on ne prend pas la famille en tant qu'institution politique, puisqu'il y a des rapports de pouvoir à l'intérieur de la famille, entre les conjoints, etc. Et il y a aussi, du coup, la question, et là, je veux lier à l'importance pour moi du travail, puisqu'il y a les décisions à prendre au sein des familles, et aussi c'est un aspect politique, et ça dépend, et les femmes qui travaillent, qui gagnent des revenus et qui participent aux revenus de ménage, on le sait, toutes les enquêtes l'ont montré, moi-même aussi j'ai fait beaucoup d'enquêtes là-dessus, ça montre aussi que les femmes peuvent davantage participer à la prise de décision à l'intérieur de la famille, et donc même si leur travail ne leur donne pas énormément de budget ou de possibilités financières, le fait même qu'elles puissent gagner du fait de leur travail, effectivement, et participer au revenu de ménage et à la décision, à la prise de décision, c'est une participation aussi à dans le domaine politique, puisque la famille est une institution politique et au-delà. Donc, il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas dire, bah, puisque les femmes travaillent et ne gagnent pas autant que les hommes, donc il vaut mieux qu'elles restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants. C'est, si j'ai bien compris votre... C'est pas ça ? C'est très décidé, tout ça. Non, bon, c'est très décidé. Enfin, attendez, on ne peut pas non plus, excusez-moi, monsieur, moi, je suis sociologue, on ne peut pas non plus ignorer l'importance de l'ensemble de ces recherches, de ces enquêtes qui existent partout dans le monde, y compris d'ailleurs en France, et dire, montrez-moi, il montre, bah oui, quand 67% des travaux domestiques sont effectués dans un pays comme la France par les femmes, de quoi on parle ? Est-ce qu'on peut parler des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes, finalement, à l'échelle politique, à l'échelle économique, etc. C'est-à-dire, comment ne pas voir les articulations travaux domestiques, participation politique des femmes, participation économique des femmes, égalité hommes-femmes, finalement ? Excusez-moi, si je peux me permettre, si on revient un petit peu sur autre chose. Je voulais reparler d'une affaire, en fait, c'est du coup entre les États-Unis et la France. C'était Dominique Strauss-Kahn, et pour le coup, vous parliez des femmes blanches, en fait, pour le coup, là, c'est une femme noire qui, finalement, a porté plainte et par rapport à cette fameuse affaire. Donc, je voulais juste reparler de ça, parce que vous parliez, moi, je n'ai pas trop suivi les lois, de 2013, et là, c'était quand même, on était en 2012, c'était à la période des élections. Donc, je pense que ça nous a évité aussi d'autres... Enfin, voilà, je ne veux pas de commentaires. Après, je voulais poser la question, parce qu'effectivement, comme il y a ce changement dans la société où les femmes changent de place et sont plus éduquées, ont d'autres accès dans la société, et que la société va très forcément avoir des changements qui vont se répercuter par rapport à ça, je me demandais, est-ce que c'est une arme de guerre ? Est-ce que c'est comme dans les situations de guerre, en général, les femmes sont violées ? C'est une façon de faire la guerre aux femmes ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces événements, ce harcèlement ? Qu'est-ce que ça sous-tend dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, où on est quand même dans une forme de déshumanisation ? Et je voulais rajouter autre chose avant de vous laisser répondre. C'est moi-même, je suis d'origine indienne, je vais souvent en Inde. Et il se trouve qu'en Inde, bon, aujourd'hui, on a une image de l'Inde et des femmes... En même temps, l'Inde, qui est quand même un pays où les gens, de façon tribale, vivaient d'une manière et dans une liberté sexuelle assez incroyable par rapport à ce qu'on peut voir en Occident. Donc après, tout cela a été changé, hein, parce qu'il y a eu des colonies, il y a eu des situations qui ont changé aussi la façon de vivre des gens sur place. Aujourd'hui, on est dans une frustration pour certains presque totale. Et comme vous disiez, donc, c'est vrai que dans l'univers urbain, par exemple, on va avoir le métro, on va avoir des wagons pour les femmes et des wagons pour les hommes. Moi, je sais qu'en tant que femme seule me promenant, des fois, je vais dans le wagon mixte, en tout cas des hommes, pour être sûre que, parce que je me dis, pour lutter, il faut qu'ils voient des femmes, il faut qu'ils aient l'habitude dans l'espace commun d'avoir des femmes. Sinon, on ne sait plus comment se comporter et c'est là où on est après amené dans des dérives et des situations qui ne sont plus des situations où on est respecté, où on se respecte mutuellement. Donc voilà, c'était pour rejoindre un peu ce que vous disiez. Et sinon, c'était de savoir effectivement les femmes aujourd'hui, quels sont ces changements et est-ce que c'est une arme de guerre ? Qu'est-ce qui se passe entre les hommes et les femmes
pourquoi cette agressivité et ce... du harcèlement sexuel au travail, notamment celui qui concerne les femmes plus diplômées, et qui est lié à une sorte de ressentiment masculin du fait de se sentir dépassé. Les hommes sont très humiliés face à la victoire des femmes et à la montée des femmes. Moi, je pense que, et d'autre part, ça c'est une chose qui me semble indiscutable en fait. Et d'autre part, je crois qu'il y a eu aussi un. Justement, madame avait parlé des. Justement, des. Respecte mon corps. Je ne sais pas si vous avez dit cette phrase. Je respecte mon corps ou protège mon corps ou je ne sais pas quoi. Comment il avait dit ? La douche va. Oui. Mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les femmes apprennent à qu'on les touche. C'est-à-dire que. De la même façon qu'on dit aux femmes de ne pas toucher à leur corps quand elles ne veulent pas. Il faut aussi essayer de parler du plaisir féminin. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et dont on ne parle jamais. Et ça, c'est aussi une façon de stopper les hommes. Parce que les hommes se sentent... Des fois, ils ont le sentiment que les femmes sont des choses passives, qui disent oui ou qui disent non, etc. Mais je pense que c'est très important pour les femmes, justement, d'apprendre le plaisir. Il n'y a pas des espaces de la société. On ne parle absolument pas de cette question-là. Et je pense que le non d'une femme est d'autant plus fort que son oui est fort. Et pour que le oui soit fort, il faut qu'elle ait un nouveau rapport au plaisir des femmes et au désir, en fait. Oui, je voulais vous remercier pour vos interventions et peut-être faire une remarque, parce qu'il me semble qu'il y a dans l'auditoire une incompréhension peut-être de ce que vous avez présenté, au moins les deux personnes, les deux dames, c'est qu'il me semble que vous êtes chercheur, vous avez fait part de vos recherches, de vos statistiques, de ce que vous avez fait. Et il semblerait que dans l'auditoire, cette recherche soit confondue avec des opinions personnelles que vous avez aussi probablement dans vos interprétations, parce qu'on n'est jamais totalement neutre. Et ça, peut-être que c'est important que tout le monde en prenne conscience. Ce n'est pas parce qu'on a dit que 75% des femmes sont de telle catégorie ou telle autre catégorie qu'on est pour défendre ces femmes ou pour, au contraire, les incriminer. Donc le chercheur, lui, présente des faits. Les commente éventuellement, évidemment, avec une distance plus ou moins importante, mais c'est quand même différent. Oui, je suis d'accord avec vous, mais la question, c'est que moi, je pense que les principes d'égalité, cette espèce de principe si fort qui traverse les sociétés occidentales depuis deux siècles, disons que on l'admet sans aucun problème, enfin on l'admet aujourd'hui, Dieu merci, on dit Dieu merci, enfin, quand vous êtes chercheur, vous n'évitez pas que l'égalité, que ce n'est pas une opinion, par exemple, de penser que les juifs ou les noirs ou les chinois ne sont pas pareils que les occidentaux, c'est-à-dire que moi j'ai dit qu'il y a une discrimination envers les noirs ou envers les juifs ou envers ça, c'est pas mon opinion, enfin moi je vais dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien, et pour moi quand on voit que les femmes, le fait de renoncer à une vie professionnelle ou politique, etc., pour se consacrer à la maternité et à la domesticité, etc., ça les inégalise. Moi, je peux donner une opinion d'un point de vue de la démocratie, c'est-à-dire d'un point de vue des principes d'égalité démocratique avec lesquels on est plus ou moins tous d'accord. Moi, c'est plus qu'une opinion, c'est un jugement par rapport à une échelle des valeurs que nous partageons tous. Alors là, c'est vrai que et c'est ça, aujourd'hui, c'est une énorme discussion, parce que oui, c'est une opinion. Mais je pense que l'antidiscrimination et l'inégalité n'est pas une opinion, en fait. Là, je pense qu'on devrait discuter enfin, une bonne fois, de la question de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et mettre cette question de la vie domestique, et du fait de renoncer à la vie publique professionnelle pour s'occuper des enfants et du mari, on devrait être enfin la mettre sur le tapis et en parler. Et en parler, et enfin, non ?
C'est pas un choix. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et effectivement, je dis simplement que ce que j'ai pu entendre de vous fait que, en plus, si vous avez fait des recherches, vous avez probablement d'autres avis, vous avez mis des corpus en place, vous avez étudié des gens, etc. Donc, ce n'est pas uniquement le résultat de votre de vos valeurs internes, mais aussi le résultat de votre travail. C'est ça que je veux dire. Mais bien sûr, enfin, ça dépend. Bien sûr, c'est le résultat. Enfin, ce que moi j'ai dit, c'est que pas seulement mes enquêtes, mes recherches, mais aussi les recherches des autres. Fort heureusement, il y en a beaucoup qui nous aident, enfin, à réfléchir et à poser des questions. En même temps, dans la recherche, ni en sciences sociales et humaines, ni d'ailleurs en sciences dites dures, moi je suis persuadée, moi je suis pour le point de vue situé. C'est-à-dire que qui parle, d'où est-ce qu'on parle, et tout ça, bien évidemment, influe également sur les questions qu'on pose, sur la problématisation, sur la théorisation, etc. etc. Donc personne n'est neutre, hein, la neutralité n'existe pas. Et moi j'ai une position, je suis féministe. Donc bien évidemment j'ai une position. Et quand je vois les inégalités flagrantes, ben, je ne peux pas juste dire ben, c'est normal, c'est naturel, etc. Non, ce n'est pas normal. Pour moi, ce qui est normal, c'est l'égalité de tous et de toutes, de race, de classe, de nationalité, de religion, et ainsi de suite. Voilà ma conviction, mais qui influe aussi, bien sûr, sur mes analyses, mais pas sur mes enquêtes. C'est-à-dire, et ni d'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, bah, le chiffre de 67% des femmes qui font des travaux ménagers, ça ne vient pas de moi. Après, moi, de mon point de vue, j'analyse ça et je dis, c'est pas possible, on est quand même en 2018. Voilà. Et on prétend que l'égalité existe en France. Attention. Eh ben non, ça n'existe pas. Et tout ça, moi, mon souci, c'est que MeToo et toutes les... Voilà, on va mettre un policier derrière chaque homme, plutôt que chaque femme, d'ailleurs, parce que ce sont les hommes, surtout, qui harcèlent. Eh bien, ça, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Et ça fait l'effet de piste, vous voyez, hein. On fait des annonces, et après, on n'applique pas tout ça. C'est ça le souci. Donc, moi, je ne fais pas très confiance à nos hommes politiques, mais surtout à nous-mêmes et surtout aux femmes pour changer le monde. Voilà, c'est ce que je pense, honnêtement. Bonjour. Je voulais vous demander que sont les mesures concrètes que vous proposez pour combattre l'harcèlement sexuel. Parce qu'avant, vous, madame, vous avez parlé des États-Unis et la culture de la porte ouverte. Et vous avez parlé de l'Iran et comment il y a des transports réservés pour les femmes. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec les anciennes mesures, que proposez-vous? Oui, il faut peut-être avoir à l'esprit, s'agissant des États-Unis d'Amérique, c'est que les assurances sont très chères et les condamnations pécuniaires, c'est-à-dire les dommages d'intérêt, sont très très élevés. Et donc, beaucoup plus que le puritanisme, parce que si on regarde les chiffres, comme le proposait madame, il y a autant d'adultères en France qu'aux États-Unis, donc je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le puritanisme. En revanche, dans l'univers du travail, les sanctions en cas de harcèlement moral ou sexuel ou leur équivalent américain sont très sévèrement punies. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des millions de dollars de dommages d'intérêt. Et donc, le coût des assurances induit ce comportement, c'est-à-dire qu'on se protège contre d'éventuelles poursuites, la crainte d'être éventuellement liable, donc d'avoir à payer très très cher. Et alors qu'en France, malheureusement, la vie ne coûte pas très cher, la faute ne coûte pas très cher, le harcèlement ne coûte pas très cher, et donc ça n'intéresse pas grand monde de se protéger, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. Donc il y a aussi la culture judiciaire qui n'est pas du tout la même, et c'est parfois dommage. Alors on a souvent décrié la judiciarisation de la société américaine avec ses excès, et c'est vrai que le coût des assurances peut être un effet négatif, mais en France on est dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on a des condamnations qui sont... très très légère, parce que ça n'intéresse pas grand monde. Et il y a en effet une évolution sociologique. Alors hier, c'était
si vous voulez un autre exemple, la conduite en état d'ivresse, qui était très très peu réprimée, peine de prison avec sursis, vous pouviez écraser des enfants sur un passage piéton à la sortie de l'école, 3 mois avec sursis, peut-être parce que le juge lui-même lui arrivait de prendre le volant avec un petit verre de trop, et donc vous ne voyez pas ça d'un si mauvais œil. Il y a une évolution qui s'est faite, donc sur le terrain de la délinquance routière, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une répression plus importante qui induit, parce que c'est quand même ça l'objectif, pour répondre à votre question, une prévention plus forte. Et on peut espérer que sur ces faits-là, donc harcèlement moral ou sexuel, la réponse judiciaire, qui pour l'instant n'est pas du tout satisfaisante, aura peut-être le même effet qu'en matière de délinquance routière. Pour répondre de façon pertinente à votre question, il faut avoir des données que je ne possède pas. Je sais qu'effectivement, il y a moins d'écarts, disparités salariales hommes-femmes, par exemple, dans un certain nombre de pays nordiques. On sait que, par exemple, la représentation des femmes au Parlement était beaucoup plus importante que, par exemple, en France ou en Italie ou en Espagne. Tout ça, on sait. C'est aussi très lié peut-être à l'absence d'un passé absolutiste, etc. Il y a tout ça, je pense que l'histoire aussi nous forme et nous formons aussi notre histoire. Donc, il y a tout ça. Mais je ne pense pas que la question de harcèlement sexuel ait été totalement réglée. Et il y a eu récemment en Suède récemment, même des cas de, voilà, ça, MeToo, voilà, signature après MeToo. Femmes ont fait différemment qu'aux États-Unis qu'en France. Elles se sont réunies par métier et elles ont signé toutes. Il y avait des quantités de signatures ahurissantes. Ils ont arrivé à plus de 10 000 signatures pour une population qui est, il y a 8 millions de Suédois. Et même dans l'Académie Nobel, ils ont dénoncé les harcèlements, les viols. Enfin bon, c'était très impressionnant. Moi, je pense que c'est un phénomène, justement, puisque si effectivement c'est vrai que ça concerne les élites, etc., c'est un moment plutôt des pays démocratiques riches que des pays sous-développés. C'est un moment plutôt. C'est là où le moment s'est déployé, en fait. Mais aussi, ça dépend de ce qu'on met derrière le harcèlement. C'est ça qui n'a pas encore été rendu intelligible et clair concernant différents pays. Et donc, peut-être que telle femme au pluriel dans tel pays au pluriel ne réagissent pas encore parce qu'elles ne se disent pas si quelqu'un me siffle dans la rue, ça peut être un harcèlement. Alors qu'aux États-Unis, en France ou en Suède, ça peut être un cas d'harcèlement. Je sais que dans beaucoup de pays, on vous siffle, c'est pas considéré comme un harcèlement. Donc, il n'y a pas encore de définition universelle concernant le harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme le harcèlement? Ce qui n'est pas le cas du viol, par exemple. Et encore. Donc, moi, la question que j'ai essayé de poser dans mon intervention au début, c'était de savoir s'il faut imposer la même définition du harcèlement partout, sans prendre en compte des spécificités de chaque pays, ou faut-il parvenir à une définition universelle? Et moi, je me méfie de l'universel, en fait. Donc, afin de mieux travailler contre le harcèlement, ne faut-il pas prendre en considération les spécificités de chaque société, de chaque pays, son histoire, sa culture, etc., et parvenir à une définition contre le harcèlement avec les populations de la même société, et pas importer une idée d'ailleurs, parce que importation,
ne marche pas. Voilà, moi, c'est une question que je me pose sur laquelle je n'ai pas encore, bien sûr, travaillé. Mais voilà, ce qui est bien, en tout cas, pour répondre à une question que vous nous avez posée, tout le monde constate que malgré les lacunes, les problèmes, etc., c'est un pas en avant. Au moins, certaines, sinon toutes, certaines osent parler, et c'est ça, ne serait-ce qu'elles font peur, et par ce mécanisme-là, peut-être qu'elles vont parvenir à changer un petit peu la chose. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire ce soir, je pense. Je vous remercie. On va... Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Mais on peut continuer la... On peut continuer la discussion autour d'un verre qui vous attend au fond de la salle.